Bonjour à tous. Le thème de la FAQ d'aujourd'hui, l'emmanchement des cannes. Vous avez été nombreux à nous demander si cette partie de carbone visible était normale ou non, ou s'il fallait que vous forciez sur l'emmanchement de telle sorte à ce que les deux parties vernies des brins s'accolent ou non. La réponse est surtout « ne forcez pas, c'est normal ». C'est ce qu'on appelle une marge d'usure. Je vous explique. À force d'emmancher et de désemmancher votre canne, cette partie en carbone va s'user, donc elle va se lisser, voire s'affiner un peu, et donc vous aurez finalement trop de jeu entre vos deux brins de canne. Vous allez donc emmancher votre deuxième brin de plus en plus bas. Cette marge d'usure va se réduire, c'est normal. Mais au moins sur cette partie de carbone, le diamètre sera toujours de taille optimale pour que l'emboîtement des deux brins de canne se fasse parfaitement. Et puis vous aurez alors une canne qui durera des années. L'information à bien retenir, c'est surtout non, ne forcez pas l'emmanchement. Cette marge d'usure est réellement un gage de résistance et de durée de vie.